Alors, on est à Exed, hein? Exed, yeah! Marque les Cougars. Oui, j'espère qu'on brisera pas le ring avec Gabriel. Ah, je peux rien garantir. On est au 5-25. Ça va faire du monde dans la tabarnouche. Hey, ça va, man? Ça devrait faire. Faire une chandelle dans les airs, toi et deux. Vous allez toucher sur les accrochés au plafond. Ouais. Alors, bienvenue à Farel pour la première fois. On est au 5-25. Puis oui, c'est un show extérieur. So, on va faire nos prières pour qu'il mouille pas parce que, legit, le ring est dehors. Alors, checkez ça. Dans une patinoire. Let's go. La fiche de ce soir était legit. Plus grand que lui. Mais ben, plus gros que lui. On est en Sorel, on est à l'extérieur, on n'est pas sûr s'il va pleuvoir ou pas, mais Gab, il est prêt. Ah, c'est beau! Ah, je pense que... Je vais changer mon intro de début avec mon chandail rose, maintenant j'ai un poncho jaune. Faire la danse des canards. On se cabote à libido. Pensez. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour sauver la technique? Maudite pluie, pas tant! Excuse, chanteur! Brad Alexis! Non! Là, tu vas le dire, mais l'envoi à ton gérant, sinon je te colle sur le volet. Puis là, il n'y a plus de règles présentement, big. Fait que j'aurais bien peur que je te colle sur le volet. Dans la voix de ton gérant. Des belles affiches. Oui, ça serait toujours bien sur le frige d'air, ça. Oui. Brad working the merch table. I sold pictures already. Money. There we go. Buy beer and grab dinner. Getting started, a life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink, cause I think I'm going all in. Get me a shrink, who can catch me when I'm falling? Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah. I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots, till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get on safe. So I'm taking 6 shots, all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots, till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get on safe. Taking 6 shots, all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? Sometimes you need to let loose, grab juice, get goose, tattoos, taboos, get screwed. Loosen up, buttercup, all those hate comments will never make you feel enough. We're all adequate graduates, heart full of calluses, but we know calculus. Damn it. Il vient juste de se faire servir sa pointe de pizza au complet. After party. Red Wolf. Combien il paye son poil le matin? 235.3. Good job. Bon, ah ouais, le caméraman il pèse combien lui? 274.8. Nice. Bon! Alors, ça a l'air que j'étais un arbitre aujourd'hui. Mais oui, t'es un arbitre. Mais regardez ça. Regardez ce que j'ai acheté.
C'est Melomania, baby! Allons! Non, non, non. À chaque fois que tu filmes pour ton Christy Vlog, tu me fais choper par quelqu'un. Non, 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 non. Ce qui va sortir pour te choper? Non, 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 non. Free jobs! Barbecue, wrestling, let's go! Pensez-vous que Marty Lang fit là-dedans pour que Gabe le mange? Pensez-vous que ça fit? Hier, j'ai appris que mon petit neveu de 7 ans, mon petit neveu qui a toujours été deux têtes plus petit que tout le monde, mais qui est le meilleur gardien de but de sa catégorie au hockey, mon petit neveu qui a toujours plus chier, le monde à l'école l'appelle Titoff parce qu'il est plus fort. Et il est plus tough que tout le monde de son âge, même une couple d'années après. Hier, j'ai appris que mon petit neveu, il avait la leucémie. C'est rough. Puis c'est encore plus rough pour le reste de la famille, pour ma soeur, pour mon grand frère. Pour vous l'autre, j'ai un message à passer. Puis j'en ai parlé à tout le monde, j'en ai parlé à tout le monde autour. Tout ce monde-là, Panthers International, victorieux! T'entends encore avec mes pouvoirs. Mais, il fallait goûter un prestigieux burger de Chicago! C'est du burger, je pense qu'on serait chaud. On aurait pu m'en mettre. Je vais même le mettre sur mon burger. Pas comment t'en veux, t'as toute la bouteille. Laisse-toi aller! Laisse-toi aller, j'ai confiance en vous. Juste ketchup? Ben, c'est ketchup! C'est du ketchup épicé, je pense. C'est du ketchup? C'est pas vrai, c'est du ketchup qu'on trouve pas souvent dans les magasins. Ben ça, c'est exclusif à ces gens. C'est des tomates magiques. Mm. Mm-hmm. Mm.
Voulez-vous savoir pourquoi j'aime juste du ketchup? Parce que votre match, l'affaire était déjà ketchup. C'est pour ça. Ketchup, papa. Tu as-tu d'autres choses dans ton burger? Je sais pas, hein? Je sais pas, mais c'est canaille. Toi, Adam Mathieu, t'étais déjà à double dip. Oh, palais. C'est pas ce que le double dip, mettons, tu pognes une donne toast. T'as 30 dans ton père. It was at this moment that he knew. He fucked up. La moitié ta chip. Oh, c'est trop épicé, hein? Toi, qu'est-ce que c'est, Adam? J'avoue, t'es bien. Juste ketchup. Et voici les aventures du Pink Pan. Il est là. C'est des piments sauteurs, quoi. C'est des piments à Ironside. Oh, c'est le piment d'Ironside. J'ai pas rien dit, moi. Moi, je ne suis pas coupable de ce commentaire. C'est le piment d'Ironside. Hey, Adam, Mathieu, c'est toi qui as bu être la bouteille de sourpuss? Penses-tu vraiment que c'est moi? Parce que tout le monde sait que je sais pas boire. Je confirme. Hey Kim, regarde Matthews là, il est tellement occupé là. Donne-moi ça. Moi je zip ton zipper, bâtard. Je gaze pas que la porte. Comment t'empêche? Bon matin! Allô! Ah non, pas lui! Qu'est-ce que tu fais? Promotion JR! Première fois pour le vlog! Hey! Le jeune Hugo qui s'achète ta bouffe! Tu donnes pas assez de crédit à JR d'ici. Tu fais ça! C'est moi qui rêve ma soirée! Oh, oh, oh! Tu mets beaucoup d'efforts dans tes costumes. Le monde devrait l'apprécier plus. Ouais, ça commence à marcher, mon père. Good. Ça commence à marcher, mon père, ce soir-là.
une autre belle fin de semaine occupée, 3 shows en 2 jours. On était partout puis nulle part en même temps. XZW à Sorel Tracy. Gabe Kopvick contre Bone Setter. C'est un combat qu'on voulait avoir. Si tu veux avoir Bone Setter, il y a juste une place pour y aller. C'est à XZW. Kevin Gray, c'est un mongol dans la tête. Dans la bonne manière des choses, la tornade montre exactement pourquoi il y a la tornade quand il a monté si haut puis qu'il a volé si haut. Wow! Incroyable! Après ça, la FML, barbecue, chums, lutte. Gabe Kopvick qui devient le premier champion de la Montérégie, de la FML. On s'en attendait pas. Et puis, c'est un beau moment pour Gabe. Et puis, on a fini la soirée avec les productions JR. On a débuté en faisant une bouchée de Jake la bottine Taylor. Comme vous avez pu voir sur la vidéo, j'aime pas ses bottines. Je sais pas ce qu'il y a, mais je l'aime pas. Et puis après ça, félicitations au nouveau champion de la production les productions JR, si on veut. Le guerrier Jason Gray. Eh ben, t'es mieux de profiter de l'été avec ta belt, mon chum. 16 septembre. Big Mountain contre le guerrier pour le championnat production JR. Let's go! Et puis la ALC ce vendredi, super gros gala avec le Dark Order. Et samedi, le Slush Puppy à Gatineau. Moment, m'en viens à la maison. GPW, Gabe Kopvick dans le Rumble devant un minimum de 2600 personnes. Un but que Gabe s'est mis au mois de décembre, là, arrive finalement. Écrivez vos buts, il y a des meilleures chances qui arrivent. Et sur ce, je vais écrire que vous allez me regarder la semaine prochaine pour vlog numéro 13.